Oh, c'est quoi, on va déjà papillonner un petit peu. On vient à peine de commencer la partie, mais on va déjà se balader à droite à gauche, faire un peu n'importe quoi. Parce qu'il y a des gros rats géants, j'ai envie de leur massacrer la gueule. Oh merde, bah manette. C'est parade. Putain, mais en plus, ils m'empoisonnent, ces saloperies. Bah, s'appuyer sur un pour utiliser une potion de soin. Ah d'accord, c'est automatique ça. Ok. Alors, pied squelette, des gants de cuir. Oh bah c'est mieux. Par contre, faut un finesse. Ouais, je peux quand même. Poudre sédimentaire, what the fuck. Des peaux minérales que l'on trouve dans les mines de grottes inondées. La poudre, pourquoi foudre, est utile pour les potions natives au mana. Je prends la caisse. Déverrouillage, comment ça se passe? Alors. Putain, c'est prestage 0. Crocheter. Alors, utiliser un pour l'angle du crochet. Ah d'accord, c'est pas très... Ah d'accord, et après je... J'ai bidule le truc comme ça. Ah d'accord. D'accord, j'ai un peu le style. Bon par contre c'est un peu foiré au niveau de choisir l'angle. En fait, je peux juste dire au machin d'aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite, quoi. C'est... Je préfère le système à Skyrim, on en dirige directement l'angle en bougeant les touches, quoi. En maintenant. Enfin, bon. Ah, une capuche en cuir. Bah, j'ai rien actuellement. Putain, 11. C'est cool pour du truc en cuir. Ah, j'ai une cavité armure, donc j'imagine que c'est pour pouvoir mettre une pierre, ça. Long boulot. Ouais, de toute façon, je vais prendre son écorce, machin. Son écorce peut imprégner une potion de l'essence de dégâts bruts. D'accord. Bon, c'est pour faire une potion de dégâts. Ouh, il y a un coffre violet. Ah, faut le déverrouiller. Non, dissiper. Ah. Ah. Comment je fais? Appuie sur A quand le curseur se trouve au-dessus d'un glyphe pour détruire qui se régénère avec le temps. En cas d'erreur, ils sont tous rétablis. D'accord. Un glyphe se régénère plus vite que de trouver le bon ordre pour tous les briser et dissiper la protection. Ok, j'ai encore ma manette qui vient de se débrancher. Ah, puis sinon, on se prend juste des dégâts dans la gueule. Bon, ça, on s'en fout. Coton rudimentaire, putain. Potion de régénération de santé mineure. Quand c'est juste une potion. Et bâton fumant. C'est un bâton qui fait des boules de feu. Bah, j'ai plutôt équipé celui-là quand même. Parce que les dagues, elles font pas beaucoup de dégâts, je crois, au final, en fait. D'accord, c'est juste la dissipation, si je me prends des dégâts dans la gueule, ouais, je m'en fous, quoi. Trop balèze. Gantelet résistant. C'est mieux. Lin marin pour... d'une armure et une potion, d'accord. C'est tout, c'est tout. Bon, en fait, j'ai bien fait d'y aller. Des champignons!
Ah, pas de champignons. Oh, bah, j'ai bien fait de perdre un peu de temps en fait. J'ai gagné des choses. Il n'y a pas de truc à fouiller. Bah, si, on peut piller le chariot là. Doublure éculée, j'imagine que c'est pour construire des choses. Composants secondaires. Lanière simple. Corde de novice, ouais, ça, tous les trucs de composants machin. Pour faire des choses diverses et variées. Ok. Attends, là il y a un point. Un point vert, qu'est-ce que c'est que ça? Hôtel de Mitaru. Les hôtels confèrent des bonus temporaires à votre personnage. Chaque divinité accorde des dons différents. Ok. Soit. Ça c'est juste une lampe. Le daim. Thunderbolt dans ton cul. Ça loot rien. C'est pas grave. C'était pour le principe. Dis donc le chrononours. Couché. Ah, je suis pas sûr que ce soit un ours en fait. Oh! Tiens, tiens, tiens! Bouf! Thunderbolt! Vous, je me souviens de vous. C'est vous. Comment êtes-vous revenu? Comment m'avez-vous retrouvé? Ouais. Que faites-vous ici? Vous et Ensel dans le puits, j'ai fui. Mais c'était pas de peur. Je voulais prévenir quelqu'un que l'expérience d'Hugues était un succès. Le puits des âmes n'est pas simplement la marotte d'un gnome. Mon contact me paye bien toute information sur les progrès effectués. Je viens d'expédier un rapport pour gagner un peu d'argent. Mais j'ignore comment les Touatans en ont eu vent. Cela n'a rien à voir avec eux. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque. T'as pas l'impression que donner des informations sur un truc super important qui peut changer la guerre à un mec dont tu connais quasiment rien du tout, ce soit une mauvaise idée, toi? Je vous le jure, si je savais qui c'était, je vous le dirais. Partager des recherches est une chose... Mais le sabotage est un crime. C'est votre faute, vous allez mourir. Fiche le camp d'ici. Merci. Tenez, prenez ça. C'est ce que j'ai touché pour mon dernier rapport. Je ne pourrai pas y toucher. Je vais rentrer à Adessa. Ok. Oh. J'ai récolté des actées à grappe. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai. Là, là, là. Ouh, encore des trucs. Ah non. Et là aussi. En fait, non, je suis une bite. Ah non, si récolter l'œil de braise. C'est cool. Encore récolter un truc. Il y a monsieur là qui se bat. Ce genre de choses n'arrivait jamais à Adessa. Ah! Le loulou! Dis-le! Dis-le, messire! Putain, je saigne! Ma manette déconne! Oh, j'ai esquivé! Oh putain! D'accord, en fait, quand je suis un combo, je ne peux pas parer. Ta gueule! Ta gueule! Voilà. Bon, j'essaie de choper un peu les techniques de jeu, mais c'est pas gagné. En fait, vraiment,
Le jeu est pas très nerveux en fait au niveau de son fonctionnement. C'est vraiment que je peux taper deux coups, après je peux mettre la parade juste derrière si je veux, mais sinon, niet quoi. Sinon c'est pas possible. Oula, ça sert à celle-là d'être l'entrée d'un donjon. Voilà, mine de roc machin. J'ai rien récupéré, c'est pas grave. À mon avis, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Je pense qu'on va aller au village et on va s'arrêter là. Je ferai peut-être juste après. Mais pour l'instant, ça me paraît bien quoi. Et je récolte des choses. Enfin, de temps en temps, quand ça veut bien. Je pensais être alchimiste, bordel. Bon, alchimiste un peu merdique, mais alchimiste quand même. Par contre, j'ai récupéré des PV. Est-ce que ce serait la bénédiction que j'ai pris qui fait ça? Vous venez de la tour, c'est ça? Je m'appelle Haggard. Pourriez-vous aider un pauvre tisseur du destin? Justement, je t'ai cherché. Bah, il y a eu du crabuge à la tour. Je le sais depuis bien longtemps. Nul ne peut changer le destin. Pauvre vieux Hugues Fomorien. Lui au moins respectait la marche du monde. Quel dommage qu'il soit mort. Bah, genre. Ah, toi t'es louche parce que tu prédis le destin et tout, et puis même moi j'ai pu prédire que le mec il est pas mort, c'est pas possible. Pourquoi soit-il mort, ouais? Les cartes m'ont appris que le puits des âmes fonctionnerait, mais aussi que son succès viendrait le jour de la mort de Hugues. Pour tout vous dire, il l'a plutôt bien pris, même si nous avons beaucoup bu par la suite. Bien, moi aussi j'étais mort. Je viens de me réveiller dans la tour. Vous? C'est donc vous? Alors cela signifie... Tout s'explique. Les cartes de ce matin. J'ai tiré le fossoyeur, le coureur et la bête. Préparez-vous. Les voilà. Ok. Comme ça, cache mal gâche. Alors déjà, on commence bien. Hein, ensuite, comment je vais dire? Utilisez les attaques spéciales et terrassez vos ennemis pour absorber des bribes d'énergie du destin. Thunderbolt. Oh. Wow. Quand votre jauge de destin est pleine, le symbole du destin se met à vibrer. Vous pouvez alors utiliser votre énergie du destin pour activer le mode jugement. Tu fais ça comment? Mon jugement renforce fortement votre vitesse et votre puissance d'attaque. Il reste actif jusqu'à ce que la jauge de destin s'épuise ou que vous infligez une fatalité. Fatalité? Maintenez LT et RT pour libérer la puissance du destin et activer le mode jugement. La mort fait partie du cycle. Je veux bien, moi, mais... Ah, voilà, il était temps. Vous attaquez les ennemis avec un jauge... mode jugement, votre... Ça commence à se désagréger. C'est stylé, ce truc. Alors, pourquoi est-ce qu'il vient pas? Ah d'accord, c'est parce que quand je suis en mode jeu machin... Approchez un ennemi dont le destin se désagrège... Ah d'accord, c'est l'ennemi dont le destin se désagrège, d'accord. Et appuyez sur A pour lancer une fatalité. Cette attaque consommera toute votre énergie du destin et détruira tous les ennemis en désagrégation. Ok, pour rapporter un bonus d'expérience. Oh! Quoi? Ah, d'accord, oui. Comment? Qu'êtes-vous? Les soies du destin? Je les avais déjà aperçus, mais jamais je n'ai vu quelqu'un les manipuler ainsi. Vous avez changé la manière dont tourne le monde.
Mais comment avez-vous fait? Je sais pas, mais je l'ai fait. Quoi? Le destin relève de la volonté des dieux et non des mortels. Comment est-ce possible? Approchez. Je vais lire votre avenir. Vous pouvez peut-être changer quel que soit, mais le voile du destin restera inchangé. Je vous promets de ne rien vous dire si je vois votre mort. Vous voyez toujours la mort? C'est un don. Certains peignent des paysages, d'autres composent des vers. Moi, je scrute les soies de la tapisserie du destin, et j'y entrevois la mort des autres. Hugues m'a envoyé pour ça? J'imagine que oui. C'était un savant, mais il avait un grand respect pour le destin, contrairement à de nombreux gnomes. Très bien, montre mon destin. Vous êtes nerveux? Détendez-vous. Je sais ce que je fais. Je verrai votre place dans le tissage du destin. Qui vous êtes, ce que vous avez fait, où vous mène votre chemin. En tout cas, je devrais le voir. Vous êtes bien réel. Je n'ai pas tant bu que ça. Vous voyez pas mon destin? Le tissage du destin est difficile à interpréter. Il ne cesse de se mouvoir. Difficile à distinguer, mais présent. Le vôtre est... inexistant. C'est impossible. Toutes les créatures mortelles ont une place dans le tissage. Vous devriez avoir la vôtre. Que vous soyez mort ou non, si c'est vrai. Et je ne dis pas que j'y crois. Alors, c'est à vous de tracer votre propre chemin. Avec comme tout le monde, non? Alors, dessiner, débloquer. Ok. D'accord. Palier 0. Alors, être unique. Comme venu de ressusciter, votre destin est une page blanche que vous pouvez remplir comme bon vous semble. En suivant cette destinée, vous deviendrez un combattant redoutable au corps à corps. Vous pourrez encaisser énormément de dégâts et vous trouverez généralement plus efficace de bloquer ou subir une attaque plutôt que de l'esquiver. Esquive attaque mais 15%, efficacité des blocages plus 20%. Contrairement à la plupart des guerriers d'Amalure, les voleurs préfèrent combattre de loin, attaquer par derrière, employer des méthodes peu honorables et généralement frapper par surprise. En choisissant cette destinée, vous pourrez vous faufiler, esquiver et enduire vos armes de poisson. De poison pour avoir le dessus, je suis désolé. Attaque performante, ouais. Acolyte. En tant qu'acolyte, vous vous consacrez aux arcanes et à la maîtrise des forces élémentaires. Vous préférez détruire vos adversaires à l'aide de la magie pure plutôt qu'avec des méthodes plus classiques ou rudimentaires. Dégâts élémentaires plus 25%, coup de mana moins 10. Ok. D'accord, ça c'est pas débloqué du tout. On va prendre bagarreur. Tout réduire. Ouais. D'accord, après, il faut... Ok. Puissance sorcellerie. 27% dessus, mais... Et que celui de couverture mana, résistance... D'accord, ensuite, après, on peut... On peut combiner un peu tout ça. Ok, c'est là sympa. C'est sympa comme scène de jeu. Qu'avez-vous vu? Je peux voir les soies autour de vous, mais elles bougent et changent si vite que je ne peux les interpréter. Normalement, les soies guident ma main vers les cartes que j'utilise pour distinguer votre place dans le tissage. Mais ça ne semble pas marcher. Tout reste flou. Soit j'ai un problème et je ne vois pas lequel. Soit c'est chez vous qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, ta sacro-labiale est à chier. Qu'est-ce que ça signifie? Cela peut ne rien vouloir dire. Ou alors, c'est la réponse à tout. Le monde change. Vous en êtes peut-être un symptôme. Ou la cause. Je n'ai jamais eu à remettre en question mes propres prédictions. Mais je devrais peut-être consulter Arden.
Ce n'est pas un ami. Mais il a un bon œil. Je vous retrouverai dans sa maison, à l'est. Je vais voir si je peux apporter de l'aide aux blessés de la tour. Non, ça me fait chier à chaque fois de demander des choses, mais bon. Les Touatas ne sont pas des failles comme les autres. Ils sont cruels, sanguinaires et barbares. En fait, ils sont presque comme les humains. Ok. Les Tisseurs du Destin étaient jadis un ordre puissant et uni, rassemblant des sages issus de tous les peuples mortels. Nous prédisions l'avenir des rois et des dieux. Mais un tel pouvoir fait des ravages. Les mauvaises nouvelles ne sont jamais bien accueillies, et sont de plus en plus terribles. L'ordre s'est étiolé il y a bien longtemps. Les vieilles traditions ont disparu, et tout ce que je prédis à présent, c'est le destin de ma chope de bière. Et je vois qu'elle va bientôt être vide. Lol. J'ai lol. A toujours été étrange. Aussi curieux et déterminé que ses camarades, c'est sûr. Il parlait toujours de son travail, mais il savait ce qui importait vraiment. Il n'avait pas peur de mourir, si cela signifiait faire fonctionner le puits. Nous sommes les fils de soie qui composent la tapisserie du destin. Nous sommes mesurés, tissés et coupés pour créer l'ouvrage. Les tisseurs du destin ont pour tâche d'interpréter chacun de ces fils. Notre titre n'est que pur mensonge, car nous ne contrôlons pas la façon dont la tapisserie est tissée. Mais vous, oui. Et lorsqu'un tisseur du destin observe votre place sur le tissage, il ne voit que les formes de ce que vous déciderez peut-être de devenir. Donc tu vois quand même quelque chose, parce que tout à l'heure tu disais que tu voyais rien. Vous trouverez la maison d'Arden au centre de Yolvan. Il a dû s'y installer lorsqu'il a été chassé de la ville. Il a beau être un excellent tisseur du destin, cela ne le rend pas populaire pour autant. Surtout en cette époque si tourmentée. Jadis, j'étais Agarth l'impitoyable, la lame d'Avgrun. J'ai terrassé la prêtresse de Colossus et refusé d'être sacré chevalier par le haut roi des failles. J'étais le héros des hommes, mais cela ne me suffisait pas. J'ai donc rejoint les tisseurs du destin dans l'espoir de conquérir la destinée. Il s'est avéré que le destin était la seule chose que je ne pouvais pas maîtriser. Ouais, c'est un peu succinct comme façon de résumer son histoire. C'est bien là le problème. Je ne sais pas si vous avez un destin. C'est pour cette raison que nous allons voir Arden. Il vit dans une petite hutte à l'est, à Yolvan. Je vous y retrouverai. Ok. Qu'est-ce que cela signifie ? Bon. Oh, cuirasse en fer rudimentaire, fais-moi. Ouh, c'est mieux ça. Pièce d'or. Oh. J'avais pas vu qu'il y avait un mec en l'air. Aucun réactif. Fais chier. Alors, attends. Alors, on peut pas aller dans la mare au canard. Récupérer des fleurs. Pied voleur, oui. Tu feras gaffe, je crois qu'il y a un mec qui est en train de te piquer ta couette. Hein. Cadavre, il est posé, mais genre normal. Des petites fleurs? Non, pas des petites fleurs en fait. Bon. Bah, allons au village. Tout en récoltant des fleurs. La légende de Kay est mort. Poursuivre cette quête. Reçu lettre de recrutement de la marine. Mais d'où j'ai reçu ça? Je viens juste d'arriver dans un trou paumé. What the fuck? Je marche et d'un coup je trouve des bouts de papier par terre sortis de nulle part. Pierre de j'ai découvert. Les salles du savoir. Aucun ne résonne avec autant de force que ceux narrant les exploits de Leyl, la vertueuse et la dame de la lumière. Elle est la
la chevalière de la boucle d'or. Elle est la guérisseuse, la conscience des faits de l'été. Elle est le cœur du printemps, de la journée. Bordel, j'ai pas bu une goutte d'alcool, mais je crois que je suis déjà bourré. Il y a un mec qui me sent des cantines dans ma tête. Un bâton, boulot rudimentaire. Bien voilà. C'est de la merde. Je le prends. Un rondache. Bloc 5 dégâts. C'est de la merde. Flocon blanc. Essentiel glace. Dans l'essence de glace. Parce que putain, je suis n'importe quoi. Bon. Quand tu as récolté des fleurs. Hein. What the fuck is that? Qu'est-ce que c'est ce truc? En tout cas, c'est moche. C'est vraiment putain de moche. Wow. Putain, il m'a fait peur. Enculé! Non mais oh, mais pas de coup de corne dans le cul, moi. Le poulet! Putain, il a fait un peu bizarre, le poulet. Et au moins, j'ai tué un poulet, je me suis pas retrouvé avec tout le village sur le dos. Hein. On n'est pas dans Skyrim, hein, clairement. Bon, nous voilà au village. Lieu découvert. Découvrir un nouveau lieu. À partir de maintenant, vous pourrez rejoindre instantanément cette position depuis la carte du monde en appuyant sur Back. Ok. Pour vous déplacer instantanément, appuyez sur Y afin de passer sur la carte locale à la carte du monde. Sur la carte du monde, vous pouvez sélectionner un lieu déjà découvert et le rejoindre directement, appuyez sur A. Ok. Ok, d'accord, ça se présente comme ça. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faire un transfert rapide là où j'étais déjà. Ah, je vois qu'il y a une crise de chasse aiguë qui se prépare ici. Les poulets! Putain, le poulet, quoi. Ah, puis il y a tout le monde qui se barre, là. Il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser, et tout le monde qui était là. Ah, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde se barre. Bon. En tout cas, c'est là qu'on va se quitter. Puisque ça commence quand même à faire un petit bout de temps quand même que là, je suis sur le jeu. Et que il serait temps de faire une petite pause en tout cas au moins. Je sais pas si je vais refilmer juste derrière vu qu'il va déjà être 11h. Il serait peut-être temps que je m'occupe peut-être de mon chez-moi et voire peut-être même de me faire ma bouffe. Hein, parce que ce serait bien de manger aussi un jour. En tout cas, écoutez, j'espère que... j'ai dit ce premier épisode, mais non, c'est ces premiers épisodes. Vu que ça m'étonnerait que je fasse tout en une seule vidéo, ça ferait un peu lourd quand même comme vidéo. Que ces premiers épisodes vous auront plu. Moi en tout cas, jusqu'à là je m'amuse bien, l'univers a l'air sympathique. Bon, graphiquement, il y a un style quoi. Il y a un style, c'est assez spécial quand même. Je sais pas, il y a un côté un petit peu cartoon ou BD, je trouve, dans l'univers, au niveau de la forme des gens, comment c'est, les couleurs, surtout les couleurs. Moi j'aime bien. J'aime bien. Le style de jeu en plus, les options qui sont disponibles ont l'air assez sympa. On verra bien l'avenir. Encore une fois, c'est un jeu que je connais pas du tout. Je crois en fait c'est la première fois que je fais vraiment un jeu en totale découverte sur YouTube. Ouais, il me semble. Pas en live, mais là en live ça compte pas.
Donc bah écoutez, j'espère que ceci vous aura plu, donc encore une fois. Si vous a plu, je vous invite à donc laisser un petit j'aime et un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Également, je vous invite à passer sur mon Facebook et mon Twitter. C'est via ces deux médias que vous aurez toutes les informations relatives à ma chaîne. Et bah écoutez, à plus au monde, mangez des pommes, vidulez, portez-vous bien. Allez, salut.